qui inaugure, selon la méthodologie de la Solocie, ces journées, cette rencontre scientifique. Je suis impressionné par l'accueil et je réitère mes sincères remerciements au porte-parole de ce présidium, le professeur Oro Apollinaire, délégué ainsi par ses amis, mes chers amis, qui m'entourent pour présider cette première session, m'honorant la présidence d'une conférence inaugurale qui est pour l'Académie très importante. Conférence inaugurale faite par le professeur Doumbia Yacouba, mon ami, qui fut un temps un de mes élèves. Alors, qui est-ce, le professeur Doumbia Yacouba? J'arrivais à Trècheville, dans le service de gynécologie. Il laisse passer les années de faculté où tous mes amis d'aujourd'hui ont tous été mes apprenants depuis les plus jeunes années d'études universitaires. J'arrivais à Trècheville, je ne sais pas en quelle année d'où il y a. 95. Après, vous êtes resté 3 ans d'agrégation au CHU de Cocody. Je rencontrais parmi les médecins internes 2 jeunes gens dont l'esprit universitaire m'a séduit. Il y avait comme élève le docteur Doumbia Yacouba, le professeur Guy Préva, tout jeune interne pétillant, pas agité, qui en voulait. Elle a attiré mon attention. J'ai mis également mon observatoire sur eux, en leur mettant comme pas possible la pression, leur disant que vous êtes des internes des hôpitaux, j'attends le maximum que vous puissiez faire. Mais sachez dès maintenant que tout ce que vous pouvez faire ne peut pas m'impressionner, parce que j'en veux plus. Guy Préva et Doumbia s'en souviennent. Je crois que j'étais à l'époque l'arrivant qui détestait le plus. Mais nous avons travaillé. Ils ont travaillé. Ils ont avancé. Ayant choisi d'être universitaire, au milieu d'une foule de leurs collègues qui avaient choisi notre voie, ils ont fait ce qu'il fallait faire et ils ont gravi les échelons. N'ont fait que les accompagner, étape par étape, ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Et je suis fier que mes élèves d'antan soit devenu mes amis, soit devenu nos successeurs dans les différents CHU. Doumbia Abaké, Guy Préva, à Trècheville.
Donc, le conférencier que vous avez aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Il mérite un banc, un standing ovation. Un passé de communication, un passé de publication scientifique de haut niveau, de haut vol. Marcel, son circuit. C'est sans surprise que j'ai découvert que ses pairs l'avaient choisi pour la conférence inaugurale sur les directives de la prise en charge des hémorragies du postpartum immédiat. Selon l'OMS, que je l'invite maintenant à prononcer. Merci, professeur Doumbia.